dans un champ de maïs blanc qui va servir à l'engraissement des canards. Donc pour vous montrer ce qu'est un maïs blanc, voilà, il n'y a aucune coloration. C'est le maïs à l'origine de tous les maïs, il a été coloré que par la suite. Donc après avec ce maïs, voilà à quoi ça ressemble. On va le cuire à basse température. Un grain qui va gonfler à peu près un tiers de son poids avec l'eau et le donner au canard durant 12 jours, deux fois par jour. Avec ça, ce maïs peu riche en amidon, on aura une autre qualité de foie gras. Sa chair sera plus fine, c'est plus savoureux en goût, c'est moins gras en bouche. La viande se tient mieux, davantage de saveur. Enfin, pour nous, c'est incomparable. Maïs blanc, appelé blanc de pays, originaire du Gers, puisque dans le Gers, on a quand même une coutume à gaver au maïs blanc. On est très peu nombreux aujourd'hui à le faire encore pour des questions de rendement. Et nous, on ne cherche plus le rendement, on cherche la qualité. Donc, vous retrouverez sur nos emballages de conserve, vous aurez un petit logo nourri au blanc de pays. Ça vous permettra de reconnaître notre production, notre façon de faire.